Je vais jouer à tous les jeux en poignot et le but c'est de faire un top 1 sur chaque jeu. Mais si je meurs, je dois changer de jeu. Voilà, comme ça il y a un seul essai et c'est carré. On va commencer avec la légende Agar Poignot. Quel est le nom qui va pouvoir me donner le top 1? Top 2. Comme ça, tu vois, je suis pas trop prétentieux. Ok, let's go. Top 2 arrive dans la game. Top 2 est tellement fertile, tellement intelligent, prudent et discret. Top 2, par contre, déconne pas. Hein. Là, actuellement, on est top 60. C'est clairement pas un top 2, ça. Les refs, ça fait tellement de temps que j'ai pas joué à ce jeu. Ce jeu légendaire qui est Agar Poignot. Des milliards d'heures de développement mis pour le bien commun. Wesh, y'a beaucoup de gens là. Là, je ramasse les boules. Et mes boules, c'est de la semoule. Oula, je suis en train de partir quand même en cacahuète, moi. Ok, ok, non, non. Du peur, arrête de duper. Oh, il y a Crazy en 6ème. Alors lui, il est totalement crazy. Ok, attends. Là, je ramasse un maximum de bouboules. Là, il y a Doge. Attends, est-ce que je tente un kill? Non, je veux câlin. Wesh, il y a les deux plus gros de la game. Je tente clairement pas un kill, mon ref. Je m'en vais. Arrêtez. Le prochain qui me regarde mal, il crève. Ouais, désolé. Je veux dire, il attrape la crève. Hein. Je suis pas aussi vénère que ça, quand même. Voilà. Non, parce que moi, à la base, je jouais à Gario quand j'étais au collège, au CDI. L'endroit où tout est permis, sauf lire et écrire. En même temps, les gars, les PC au CDI, on va pas se mentir. Je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à mon époque, c'était des pommes de terre. Du coup, à part Agar.io, c'était dur. Quand je suis allé au lycée, les PC étaient un peu meilleurs, donc on a pu installer Minecraft. Mais Agar.io est un jeu légendaire qui a sauvé tous nos moments en CDI. Ok, là, il y en a deux. Est-ce que je tente? Est-ce que... Non, je suis trop loin. J'hésite trop, en fait. Regardez comment je passe inaperçu. La petite fourmi mangera toujours le grand graillon. Mais par contre, là, les gars, je suis en train de contourner les deux plus gros de la game. On appelle ça un braquage. Oulala, frérot, déconne pas, je suis top 2. Je vais même pas te voler la première place. Moi, top 2, ça me suffit, mon ref. C'est pas ce que ça va donner, les gars. Je m'en gratte la barbichette. Barbichette, ça aime avec quoi? Ça aime avec Tartiflette. C'est parce que nous, on fait fondre la concurrence. C'est qui ce mec avec une barbe? Je suis sûr, c'est un mec connu et tout, genre un président, et je suis même pas au courant. Oulala. Il se passe quoi là? Il se passe quoi, mec? Je suis pris en sandwich triangle. T'as cru que j'étais Sodebo? Moi, je suis juste beau. On va passer par là, on contourne le problème. Dans la vie, faut pas faire face à ces problèmes. Faut les contourner. Oh, attendez, mais les jackpots pour moi. Je tente. Let's go. Top 26. Ok, attends. Oh, là, il y a lettre A. Est-ce que c'est ma vengeance? A, B, C, D, va te faire en cul. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non. Wow, hey. Calmos. Calmos, allumos. Sinon, c'est moi qui t'allume. On va essayer de passer entre les deux parce que là, en soi, on est protégé, tu vois. Ok, top 2 est en train de reprendre sa pole position. Il y a encore Dupé, là, Duper, Doper. Il est en train de me feed. Vas-y, je le feed aussi. Je suis un mec sympa. Je suis un peu crazy dans ma life. Non, frérot, s'il te plaît, essaye pas de faire des câlins collés à moi, tu vois. Je t'aime pas. Oh, merci. Je t'aime, mec. Je t'aime. Gros, il m'a dupé. C'était mon ami depuis le début. Je suis top 9. Top 10. Top 10 des meilleurs joueurs de Agar.io. Là, il faut que je tente un move musclé parce que je suis quand même en dessous d'un mec qui a un nez de cochon. Là, en vrai, il y a que des petits autour de moi. Je pourrais tenter des moves audacieux, mais il y a aussi plein de gros. Donc, en fait, si je tente un move et que je me foire, c'est fini. Attends, mais là, je graille rapidement, en fait. Le top 13, les amis. 13 fois plus de chance d'être un gros beau gosse. Et let's go! Play top 2, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, mon gars? Moi, je suis top 2, mon ref. Enfin, là, actuellement, je suis top 12, mais dans ma tête, je suis top 2, t'inquiète. Bon, on va buter Agarbot, parce que moi, j'aime pas les robots. Hein. Ils me volent mon travail. Il y a Mia Khalifa. On va lui faire du sale à Mia. Ouais, non, non, non. Ça, c'est juste pour nous attirer, les refs. Attends, mais là-bas, là, il y a FR qui est en train de faire n'importe quoi. Là, vraiment, si je me reforme maintenant, je deviens le plus gros joueur de Agar.io de France. Hein. Reforme-toi, frérot! Non, il y a le diamant qui va faire une dinguerie là. Ah, c'est la fin! Oh, oh, t'as pas réussi! Oh, le chat, il est tellement beau! Oh là, regarde comment je te nargue! En plus, je me reforme! Là, il y a beaucoup de grailles, mais c'est même pas des trucs. Oh! Oh non! Nickel, Babybel, moi je me casse. Bon, par contre, je me sens top 2, mais je me sens surtout très lent. En fait, ça le problème. En fait, je suis même pas plus lent qu'avant. Hein. C'est juste que vu que je suis beaucoup, beaucoup plus large, j'ai l'impression d'être plus grand. En fait, faut que j'attende qu'il y en ait un qui fasse un move nul, et c'est à ce moment-là que j'attaque. Ça peut aller extrêmement vite. Ouais, non, j'allais dire j'attaque celui d'en haut, mais en fait, même pas parce qu'il y a des gros qui me mangent après. Là, en fait, faut que je m'exile des gros, tu vois. Faut que je parte me reculer pour mieux me reposer. Oh, il y a diamant. Let's go! Comment c'est top 12? J'ai mangé la moitié de la map, d'où je suis top 12? Est-ce que mon solo c'est top 12? Non, c'est top 2. Je peux tenter un truc là en vrai. Hein. Let's go! Oui, c'est ça! Bon, le top 2 il va être vraiment compliqué à avoir, je pense. Mais bon, les gars, on démord pas, on est là. Hein. Team Raytonia jusqu'à la mort. D'ailleurs, code créateur The Rayton dans la boutique Fortnite et dans l'Epic Game Store en général et sur Rocket League. Code créateur The Rayton, c'est ce qui vous donnera le top 2. Je vous le garantis pas, mais peut-être. En fait, j'aurais dû mettre code The Rayton en fait. C'est ça en fait mon truc. Bah oui, les gars, tout est bon pour se faire de la publicité. Top 7, si j'arrive à tuer Agarbot. En plus, c'est un bot qui est en première position, c'est scandaleux. Si j'arrive à buter le bot, on a gagné et en plus je renverse le pouvoir des IA. Par contre, s'il y a marre, bah il y en a marre de toi, frérot. Il y a la lettre A juste là, une lettre très connue de l'alphabet alphabétique. Mais en fait, je sais pas si ça vaut le coup de me lancer sur plein de petits. Est-ce que ça me donnerait autant de score qu'un gros? Je sais pas. Regardez, là, il y a tous les Agarbots. C'est devenu hype d'être un bot, je sais pas. Mais regardez, ils sont vraiment tous en bas. Trop bizarre cette game. Trop bizarre les refs. Je peux faire un braquage. Je sens qu'il va se passer des dingueries dans quelques instants. Je tente. Non, ça va pas marcher. Je vais me faire bouffer. J'en ai buté qu'un, les gars. Oh, mais il se passe trop de trucs là. C'est la meilleure partie que j'ai faite en vrai. Vous, c'est quoi votre jeu en poignot préféré? Là, j'essaie de mettre des petites feintes. Oh,
Cimer pour la graille, frérot. T'es un bon. Mais je vous jure, cette game, elle est trop bizarre. J'ai vraiment l'impression de jouer contre des IA. Ils analysent tous mes mouvements, mes statistiques et mes perfs. D'ailleurs, en parlant de perfs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Ça régale et en vrai, ça me fait plaisir. Donc, si vous voulez soutenir les heures de travail des monteurs et de moi-même, n'hésitez pas. Love, Pepos, bro. Top 2. Mais là, les gars, je suis imposant de ouf. Cette game, elle est tellement longue. Elle est plus longue qu'un retard de TGV. Et ça arrive très souvent, ça. En vrai, est-ce que là, je peux juste faire ça? Oh, non! Frérot, je te jure, je l'ai mangé, mais c'est vraiment pas contre toi, gros. Non. Et là, les gars, c'est vraiment n'importe quoi. Me mange pas, frérot, me mange pas. Top 5, on passe au jeu suivant. Bon, les gars, là, on est sur Crazy Game. C'est le site Crazy, parce que le jeu, il marche pas. Ah, il me renvoie sur un autre site, qui ne marche pas tout autant, d'ailleurs. Il se passe quoi? Du coup, les gars, on va aller sur le vrai meilleur jeu, .io de tous les temps. Dieb.io, c'est celui qui m'a fait percer sur YouTube à la base. Code The Rayton, bien évidemment. Et let's go. Ah non, c'est Code The Rayto. Bon, oubliez pas le N, hein, si vous mettez le code. Donc, en gros, c'est un jeu où on a un tank, et le but, c'est de casser des formes pour pouvoir l'upgrader. Et le jeu a eu beaucoup de mises à jour, donc en vrai, il y a plein de tanks que je connais pas depuis. Hein. C'est le seul Jean Yo qui premier degré a une vraie grosse communauté. Je pense carrément il en a une aussi grande voire plus grande que Agario. Là les gars j'augmente mon reload et donc c'est ma cadence de tears. Là je pense que tous les anciens de la chaîne vous devez avoir une larme à l'œil et c'est un petit sourire en mode c'était le bon vieux temps. Non parce que c'est vrai les gars. Hein. Avant on pouvait passer genre 40 heures sur un jeu vidéo, genre vraiment nos nuits, nos soirées, nos journées. Aujourd'hui ça a changé. Il y a encore des bons jeux qui sortent mais vous trouvez pas le monde du jeu vidéo a grave changé? C'est plus comme avant. Moi j'aime trop augmenter le reload. En fait j'aime trop avoir plein de tirs, plein de balles partout. Là ça va je farm tranquille. Quoi? Ouais, je prends tellement de dégâts, j'ai perdu tous mes points de vie. Je suis vraiment pas respecté dans ce jeu. Hein. Enfin, même hors du jeu d'ailleurs. Ok, pour l'instant, les refs, je suis plutôt bien. J'augmente la vitesse de mes balles. Oula, 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 oula! Non, non, s'il te plaît, frérot, je dois faire un top 1 contre 14 de Rayton. Non! Bon, les gars, je me suis fait buter. On passe au jeu suivant. Bon, les gars, j'ai trouvé ce jeu en .io. Je sais pas c'est quoi. Parce qu'en fait, Scissorio il marche pas. Voilà, ok, donc c'est une sorte de plagiat de Scissorio. Parce que Scissorio marche pas. Mais c'est quoi ce truc de dégénéré? Regarde la gueule de mon ver de terre. Est-ce que même c'est un ver de terre? En fait, là, j'ai l'impression que c'est plus un mix entre Scissor et Dieb.io. J'ai gagné une grosse pièce, super, je sais pas pourquoi. Mais les gars, je connais vraiment pas ce jeu. Il est trop bizarre. Vous pensez que je peux. Ok, donc je peux accélérer. Oh, j'ai tué quelqu'un. Je sais même pas comment. What? Mais là, il y a bagarre. C'est sûr, il va se passer un truc de fou, les gars. Oh! Le top 1 est à moi. Je ramasse les cacahuètes. Les gars, vous savez que là, je suis déjà top 50. Top 50, comment ça? Attends, lui, regardez, on lui fait la technique du serpent. On l'enroule. Là, il a aucune chance de s'en sortir. Comment ça, comment ça, il est passé à travers moi? Attends, je crois qu'on a pas les mêmes règles de jeu, frérot. Hein. Attends, il y a des changements de sens. Mais c'est quoi ce jeu? Là, c'est vraiment un jeu crazy quand même. Oh, il a des pics. Ok, on y va. Oh! J'ai buté le plus gros du serveur, je suis bien. Top 20. Et si je fais top 1 sur ce jeu-là, par contre, c'est vraiment du troll. En fait, on dirait Dieb.io, mais en mode complètement débile. Non, vraiment, la tête du perso, elle me fait peur. Ouais, là, ils ont des skins, ils sont trop beaux. Non, commencez pas à me donner envie d'acheter. Oh! Là, ça graille, les amis, hein, ça s'arrête plus. Moi, je comprends pas le délire du bouclier, genre en mode des fois, il y a le bouclier. Est-ce que ça veut dire que je suis invincible à ce moment-là? Parce que c'est quand même complètement nul, en fait. Par contre, c'est tellement addictif. En vrai, ça, c'est vraiment un jeu, ça te rend addict parce qu'il y a plein de couleurs et tu te sens super fort. Là, actuellement, le top 7, tu vois, j'ai même pas l'impression d'avoir vraiment tant que ça mérité. Mec, il y a plein de bonus. Par contre, le jeu est vraiment cool au niveau des bonus. Genre, les bonus de speed et tout, c'est stylé. Non! Comment j'ai fait? Top 4. En même temps, c'était un jeu sur Crazy Game, donc c'est normal. Bon, ce jeu a été trop bizarre. Code The Rayton. Là, c'est Pepper.io. Si vous connaissez pas ce jeu, en vrai, c'est vraiment le plus basique. C'est littéralement juste ça. Voilà, je pense que vous avez compris le but rapidement. Le but, c'est de graille le territoire, tu vois. Comme Pablo. Et tu vois, tu peux graille le territoire des autres. Sauf que si tu te fais choper sur le territoire des autres, tu meurs. Oh, il s'est fait buter comme une merde. Là, actuellement, je suis top 12. Après, il y a une légende qui dit que si tu fais tout le tour de la carte, indirectement, bah, tu grailles toute la carte. Parce que la carte, elle est ronde. Et tout en bas à droite, vous avez ma position sur la map. Et actuellement, 1% de cette carte m'appartient. J'ai fait quelques propriétés, j'ai fait pousser des plantations. Ok, lui, mais c'est qui avec sa tête de zouave là? J'ai dit le mot zouave, c'est bon, j'ai pris 40 ans. Oh non, ma souhait était... Non, ça compte pas. Ma souhait était partie de l'écran, elle était sur l'autre écran avec le screen. Je pouvais pas bouger, vous avez bien vu que je faisais pas exprès. En vrai, c'est un jeu où tu peux pas être pacifiste vu que vraiment le but c'est de graille. Oh là, toi on te défonce, Captain America, tu m'as saoulé. Je suis top 11 les gars. En général, quand j'arrive dans la partie, les gens ils le ressentent. Parce que je bute tout le monde, même Yann 4, top 10. En vrai, je veux pas dire peut-être que j'ai pas fait de top 1 pour l'instant, mais sur tous les jeux j'ai fait des top de ouf. Sauf Dieb.io. Bon, en même temps, c'est le plus dur. Ok, là j'arrive. On va prendre un peu tous les contours, tu vois. C'est comme ton coiffeur, tu sais, quand il te fait les contours. Pour faire ton dégradé dégradant. Bah, c'est là. On va lui gagner un peu de territoire juste pour le provoquer un peu. Bon, bah, on va continuer à le provoquer. Enfin, on aura bouffé tout son territoire, on l'aura même pas un peu provoqué. Actuellement, top 3. Comment c'est arrivé? Regardez, on dirait que je suis en train de construire un pays. Un pays pour tous mes abonnés, tous les Raytoniens. Ah, c'est bon, je l'ai provoqué, il est en train d'essayer de graille. Attends, mais là, je me fais bouffer des deux côtés. Ils ont compris que j'étais une menace pour leur civilisation. Ça va, en vrai, lui, je le gaille pas trop, le cyberpunk, parce que, je sais pas, il est gentil avec moi. Par contre, qui est en train de me gaille, là? Voilà! Le top 3 que j'ai clairement mérité. Si je fais un top 1, tout le monde met mon code créateur, c'est fini. Là, je suis top 2, hein. Tout peut arriver. Au-dessus de moi, il y a que Jennifer. Jennifer Lopez. Moi, je suis inspecteur à cailloux. Et mon acolyte, Jennifer Lopez. Après, il a 7%, j'en ai 5, hein. On n'est pas si éloigné, tu vois.
Oh, encore un kill. Je veux dire, si les kills, ça gagnait par contre des points. Comment je serais premier de la game depuis bien trop longtemps. Actuellement, j'ai 7 kills à mon actif. Hein. On m'appelle le ninja de Paper.io. Si ce jeu était dans l'e-sport, je serais un dieu. Non, vraiment, les gars, j'ai tué tous mes plus gros ennemis. Là, vraiment, il n'y a plus personne qui peut me concurrencer. Sauf Jennifer. Mais après, c'est une vieille meuf, donc vas-y, je calcule pas. Vraiment, ça, c'est un truc que je peux vous apprendre, les refs. Calculez jamais les haters. Juste continuer. Je suis premier, les amis. Ça veut dire déjà que tout le monde met le code créateur. Et ça veut surtout dire ce soir, grosse pizza party. J'offre des pizzas à absolument tous les abonnés. Il faut venir au 5 rue Jean Massé. C'est complètement faux. Je sais même pas où c'est le 5 rue Jean Massé, mais n'y allez pas. Je suis premier de la partie, je compte bien y rester. La map, elle m'appartient, mon ref. Allez, toi, casse-toi. Tu me casses les noix de coco. Oh, une pizza. Oh, ça donne trop faim. Quoi? Non! Si ce concept t'a plu, n'hésite pas à t'abonner maintenant à la chaîne, mon gars, pour rejoindre ma communauté. Venez me voir en live tous les soirs sur Twitch. Je joue avec vous, je parle avec vous. Le lien est en description, c'est Rayton TV. Regardez mes autres vidéos qui s'affichent là. Et ciao!